Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser le widget Elementor de compte à rebours et surtout comment ajouter du texte avant et après et faire en sorte que tout ça soit bien aligné. Alors, ce qui m'a donné l'idée de ce tuto, c'est une demande sur le groupe Facebook Elementor France où quelqu'un demandait comment faire pour bien aligner ces deux widgets, le widget de texte et de compte à rebours. Donc en fait, la personne n'a pas pris la bonne solution puisqu'elle utilise deux widgets qui sont dans deux colonnes différentes et en effet, ça devient un peu plus compliqué d'aligner les choses alors qu'en fait, le widget d'Elementor, de compte à rebours, permet de faire cela sans aucun problème. Donc je pars du principe que vous êtes sur la page où vous souhaitez ajouter cet élément dans l'éditeur Elementor et donc vous recherchez le widget compte à rebours ou compteur tout simplement. Donc vous le laissez déposer dans la zone où vous souhaitez l'ajouter. Donc vous saisissez donc les chiffres nécessaires. Alors, le widget est disponible dans la version gratuite, et là vous voyez qu'on a les balises dynamiques. Les balises dynamiques, malheureusement, ne sont accessibles que dans la version pro. Donc, il faudra avoir la version payante si vous voulez utiliser les valeurs dynamiques pour ce widget, pardon. Donc, vous affichez les valeurs que vous souhaitez. Si c'est un compte à rebours, bah, vous mettez 0, valeur de départ, valeur de fin 100, enfin le chiffre que vous souhaitez, donc par exemple on va dire 25, allez hop. Et pour le texte qui précède, il faut le mettre dans préfixe du nombre, donc par exemple fin de l'offre, voilà, j'ajoute le petit point, on ajoute un espace pour faire en sorte que ça soit bien ici. J'ai dû toucher un réglage de mon logiciel d'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi c'est sombre d'un coup. Bref, peu importe. Ça reste visible. Donc, fin de l'offre dans. Et ensuite, on ajoute donc dans suffixe du nombre un espace et ce qu'on veut afficher après. Voilà, et vous pouvez régler après, bien sûr, la durée de l'animation, si vous ajoutez un séparateur de midi ou pas, ensuite quel type de séparateur, et le titre, bon, ça vous mettez ce que vous voulez, hein. On va mettre compte à rebours par exemple. Voilà, ça ne s'affiche pas pour autant côté visiteur. Donc on va déjà voir ce que ça donne à ce niveau-là. Si j'arrive à déplacer, voilà, la barre d'outils, donc je fais mettre à jour. Et on va voir côté visiteur, voilà, on a bien notre fin de l'offre dans 25 jours. Bien sûr, comme sur tous les budgets Elementor, enfin ou la plupart, on trouve un onglet style où on va pouvoir mettre la couleur du texte. Tiens, par exemple, je vais faire exprès de changer la couleur du texte. Donc j'ai pris parmi ma palette de couleurs, sinon j'aurais pu prendre une couleur avec soit un code hexadécimal, pardon, soit la palette de couleurs, tout simplement. Pareil pour le titre, couleur du texte, on peut. Donc là, si je mets en noir, voilà, ah oui, donc le titre il apparaît ici. Donc, vous pouvez changer la typographie aussi, ça je pense que vous savez faire. Mettre une ombre du texte. Alors pareil, est-ce qu'on peut le faire ici? Tiens, on va le faire ici. Donc on va ajouter un petit peu d'ombre. Hop, un petit peu en vertical, un petit peu en horizontal. Voilà. Et on va voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà, après les réglages, c'est j'irai comme la plupart des widgets Elementor. Principal que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, c'était comment afficher du texte avant, après et faire en sorte que tout soit aligné.
Eh bien, écoutez, je vais maintenant terminer pour ce tutoriel vidéo. Je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va l'aider à se répertorier dans les résultats de recherche, à être plus haut dans les résultats. Ça peut être aussi un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels vidéo. Autre façon de me remercier, si vous avez des achats WordPress à réaliser, que ce soit un thème, une extension, un hébergement, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description ici. Déjà, vous pourriez avoir des informations propre à ce tutoriel vidéo, voire sur d'autres. Vous avez la liste vers les principales playlists de tuto WordPress. Donc, vous voyez tout ce qui est tuto Elementor, sur le thème Hello, sur l'extension de référencement SEOPress que je vous recommande, sur les thèmes constructeurs de pages Divi et sur les sauvegardes DraftPlus. Voilà, ça c'est mes principales playlists. Au fur et à mesure, je viendrai en ajouter d'autres. Je mets ici les principales, celles où il y a le plus de tutos et ce qui me semble le plus important, mais j'en ai d'autres, des playlists. Et donc, si vous souhaitez me remercier, que vous avez des achats à faire, vous avez ici tous mes liens affiliés. Donc, pour rappel, les liens affiliés, si vous achetez en passant par ces liens, vous payez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct. La seule différence, c'est que je touche une commission sur les achats que vous faites. Donc ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutos sans que ça vous coûte un seul centime. Voilà, donc pensez-y, c'est pas obligatoire, hein, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez surtout pas. Et surtout si vous n'avez pas d'achat à faire, ne vous forcez pas à acheter pour me remercier. C'est pas ce que je vous demande. Voilà, mais écoutez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!